à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur mes derniers reçus et les derniers achats que j'ai effectués. Donc, ces derniers jours, enfin, ces deux dernières semaines même, on va dire. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Le soleil est là aujourd'hui. Il fait très, très beau. Un petit peu frais, mais sinon très très beau. Donc tout d'abord, j'avais acheté, oui, il y a une quinzaine de jours, je pense, je ne sais plus, une paire de sneakers, enfin une petite paire de baskets hein, chez Stokomanie, de la marque Camaïeu en déstockage. Donc j'ai encore le ticket de caisse. Je les ai payés 5,99 €. Voilà, comme ceci. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ma collection de baskets que j'ai faite cette semaine. Donc, celles-ci sont de la marque Camaïeu. Je les ai payées 5,99 €. Et c'est une taille 36 et elles valaient à la base 29,99 €. Donc, elles sont de couleur moutarde. J'avais pas encore cette colorie-là et je trouve qu'elles sont vraiment très, très jolies. Voilà pour cette petite, ce petit achat Stokomanie. Ça fait longtemps que je n'y étais pas allée. Parce que Stokomanie, c'est un peu l'île de la tentation. Quand on rentre dans ce magasin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent dans le panier. Du coup, puis arriver à la caisse, ça fait quand même une belle somme. Ensuite, mon ami est passé dans le centre-ville de ma région, est allé dans le magasin Ambiance et Style et m'a ramené un petit cadeau. Voilà, donc ce sont des bougies Yankee Candle. Donc je suis très très contente parce que j'en consomme beaucoup et que j'adore les bougies. Donc elle m'a pris le petit support comme ceci, Yankee Candle. Alors, des supports, j'en avais, mais je n'avais pas un support Yankee Candle. Voilà, donc c'est un petit seau comme ça. Et à l'intérieur, du coup, c'est pour mettre des votives. Voilà. Donc, elle m'a pris plusieurs votives. Donc, celle-ci, c'est Vanilla Cupcake. Ça sent divinement bon. Elle m'a pris Mulberry et Fight Delight. Alors, il y a de la figue dedans et des mûres. Ensuite, Garden Picnic. Une autre que je connais déjà mais que j'adore, Mango Pêche Salsa. Celle-ci aussi, je connais, c'est la Black Cherry, donc à la cerise. Et ensuite, pour finir, une que j'adore, c'est Black Coconut. Voilà, donc un petit cadeau vraiment très très gentil, très sympathique. De toute façon, j'adore les bougies, hein, comme vous le savez. Et les Yankee Candle, c'est quand même une valeur sûre et ça sent divinement bon. Voilà, donc si tu passes par là, encore merci beaucoup. Je te fais d'énormes bisous. Ensuite, j'ai flashé sur une veste de sport sur le site de Zalando. Vraiment flashé dessus, donc c'est la nouvelle collection je pense, c'est de la marque Nike, voilà comme ceci, et elle est en fait gris chiné mais très très clair, alors, je sais pas si vous allez voir, et vous avez des bandes comme ça sur le dessus, donc bleu, vert, blanc et rose. Nike Sportswear, donc j'ai pris en taille M et j'aime vraiment vraiment beaucoup cette veste et je me demande d'ailleurs si je ne vais pas aller m'acheter le bas de jogging qui va avec, ça me fera un bel ensemble. Donc mon mari n'est pas très très fan, il dit qu'il n'aime pas trop, que ça fait vieux, mais bon voilà, c'est les nouvelles tendances aussi et ça change aussi un petit peu du noir parce que j'ai déjà un jogging noir Nike déjà, et du coup là je trouve que ça change un petit peu pour les beaux jours qui arrivent, même mettre cette veste avec un petit jean et puis une petite paire de baskets par exemple rose, voilà, je trouve que ça fait tout son effet. Voilà Nike hein. J'adore Nike, la marque Nike, donc c'est vraiment pour moi de la très très bonne qualité. Voilà, donc
Donc elle est un petit peu courte hein, comme ceci, mais c'est voilà la coupe qui est comme ça. C'est une taille M du coup et elle est vraiment j'adore. Elle est vraiment très très belle. Donc je l'aime vraiment beaucoup cette veste Nike. Et puis les vêtements Nike de toute façon ne bougent pas. Hein. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Elle valait 59,95 € quand même. Et il y avait un petit pourcentage dessus sur Zalando. Je l'ai eu à 50 €. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué donc sur le site de Pinky pour cette veste un petit peu sportswear. Comme vous savez, le magasin Pinky est un de mes magasins préférés. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis habillée qu'en Pinky. Voilà, le haut noir Pinky et un petit push-up bordeaux Pinky. Sur le site, il y avait pas mal de promos, de soldes. Pendant les soldes, il y avait deux achetés, le troisième offert, etc. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément craqué. Et là, je suis tombée sur cette veste un petit peu sportswear, un petit peu kawaii, que je trouve superbe. Donc c'est une veste courte et les manches, voilà, sont comme ceci. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du orange, il y a du violet, etc. Elle a une capuche et à la base, elle valait quand même 35,99 €. Donc c'est vrai que j'aurais jamais mis ce prix-là dans cette veste si elle n'était pas soldée. Et je l'ai payée 10,70 €. Voilà, 10,70 €. Et du coup, ma maman me l'offre. Donc voilà. C'est une veste courte, voilà. Donc il y a des petits liens sur le côté pour resserrer et on est vraiment très très bien dedans. Vraiment très très bien, très à l'aise. Ça fait sportswear, ça fait détente, etc. Donc c'est vraiment très très agréable. Voilà. C'était tout pour mes derniers achats et reçus de la semaine, dernière, enfin de la quinzaine qui s'est passée. Je suis quand même assez raisonnable. Hein. Il faut l'être aussi un petit peu raisonnable de temps en temps. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!